Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais encore et toujours envie de m'amuser avec cette magnifique palette. On peut faire tellement de make-up différents qu'aujourd'hui, j'avais envie d'être dans les tonalités un petit peu jaune-orangé. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de jaune et pas mal d'orangé. J'ai mis un tout petit peu de rouge aussi, je ne sais pas si ça se voit, j'ai voulu vraiment faire quelque chose de subtil. Je voulais pas que ça prenne trop sur le make-up que j'avais fait. Si ce make-up vous plaît et cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je prends le Super Size Conceal and Define Full Coverage Concealer en teinte C3 de chez Revolution, que je vais venir estomper avec un petit pinceau plat comme ceci de chez Morphe. Je prends maintenant le BB207 avec la teinte Bubble Bee. Je prends maintenant un petit pinceau assez fluffy comme ceci de chez Morphe avec la teinte Tangerine Dream. Et toujours avec le même pinceau, je prends la teinte Heat Wave. Avec le BB209 de chez Beauty Bay, je prends la teinte Rise and Shine. Je prends le Lash Princess de chez Essence, le False Lash Effect Mascara. Maintenant, je prends le pinceau Shade Out de Beauty Bay avec la teinte Hello Sunshine. Et toujours avec le même pinceau, je prends maintenant la teinte Hot Stuff. Maintenant, je prends le mascara MAC Stack pour venir faire ma deuxième couche. Maintenant, avec le pinceau V6 de chez Autrera, je prends le bronzer Reloaded de chez Revolution en teinte Holiday Romance.
Et toujours avec le V6, je prends le Blusher Reloaded en teinte Rhubarb & Custard de chez Révolution. Je prends maintenant le 231 de chez Zoeva avec l'highlighter de chez I Earth Revolution en collaboration avec Disney, plus précisément Beauty and the Beast. Je reprends le Lash Princess Mascara de chez Essence. Et pour terminer, je prends le Color Rich de chez L'Oréal Paris en teinte 231 Sepia Silk. Et voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. C'est la première fois que je m'amuse entre guillemets avec des teintes comme celle-ci. J'avoue que j'utilise pas très souvent du jaune, encore moins du orange, je dois l'avouer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ce make-up vous plaît. C'est franchement quelque chose d'assez facile, je voulais pas me prendre la tête, je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste après, et moi je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.